Aujourd'hui, on affronte un joueur premier dan sur KGS. Donc on a 10 minutes de temps chacun et 5 fois 20 secondes, je crois. J'ai un doute car à chaque fois, les parties sont en 25 minutes. Donc je ne me souviens plus combien de temps. Hop, on a 5 fois 20 secondes, c'est bien ça. Ok, je joue au chi, il joue au chi également. Donc là, la partie va être un petit peu plus rapide. Il faut que je fasse attention à jouer un peu plus rapidement au fuseki. Parce que... On a que 10 minutes, donc ça va passer très vite. On va approcher de ce côté, bord large. On avait également le choix d'aller par là ou de prendre le coin. Et il vient ici, d'accord. Il investit sur ce bord. Qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais jouer par ici. Il va peut-être commencer à créer un petit moyo, mais en soi, il mettra tous ses œufs dans le même panier encore une fois. Donc, ce qui va peut-être le donner envie, non, ok, il va par là. Donc il fait année pour avoir un mur plus puissant. Ou, ok, non, pour avoir un mur plus puissant. Donc là, il choisit d'avoir un mur plus large. Mais il est goté, alors qu'il aurait pu choisir d'aller directement en E4. Et il aurait eu un mur plus petit, certes, mais il aurait eu le Sente. Donc il aurait pu aller par exemple vers F16 pour continuer à développer une tactique de moyo. Là, je peux pousser une fois de plus ici. Et quand il vient là, à la dernière partie, il me semble, de Go et Café par exemple, mon adversaire n'avait pas joué là. Ouais, c'est ça. Donc, il faut le faire. Et maintenant, ce qui me laisse le loisir, soit d'aller prendre de verrouiller un des deux coins, hein, ou de protéger cette pierre également. Hein. Par exemple, je peux monter comme ça même. Ce qui le force à aller là, et je me développe par ici. Mais s'il pousse, certes, il fait un potentiel ici. On peut toujours rentrer d'ailleurs. Il faudrait qu'il rajoute un coup peut-être. Et nous, on développerait des points par là. Ce qu'on peut faire également, c'est la dernière fois, on a laissé faire le moyo. Donc peut-être pour avoir une partie un petit peu différente, on va venir directement par ici. Anticiper un coup blanc par là et réduire directement le potentiel moyo. Ce coup-là, qu'est-ce qu'il vise? Il vise la venue en E5 qui menace la coupe. Si jamais il protège sa coupe, on peut sauter ici, on joue léger, et lui, il aurait juste une baguette assez désagréable. Du coup, il décide de prendre une extension. Donc là, vous connaissez sûrement, hein, quand on joue cette pierre en relation d'une pierre en troisième ligne, comme ça, en forme de Kosumi, on appelle ça le coup à l'épaule. Donc là, ce coup-là qu'il a joué, c'est le coup à l'aisselle. C'est rarement bon. C'est un coup assez défensif. Parce que, pourquoi c'est vraiment bon? Parce que quand je vais descendre et qu'il monte, on peut directement faire une forme qu'on apprend au début. C'est le double année à la tête de deux pierres. Pour une deuxième raison, c'est assez mauvais. Pourquoi? Parce que avec un mur comme ça, on comprend tout de suite que la forme, la position de blanc est surconcentrée. Il y a trop d'investissement pour trop peu de points. En plus, noir est content de... finalement se stabiliser entre guillemets rapidement. Donc c'est cool. On est content là. Bon, on a utilisé 2 minutes 20, ok. Enfin, 2 minutes 13. Le problème c'est que s'il réagit de l'autre côté maintenant, on peut aller en B7 et il aimerait pas. Donc il vient lui-même en B8. Il a envie de trouver sa base de vie, d'accord? Pourquoi pas? Souvent, pour retrouver une base de vie rapide, on peut faire plutôt le B3. Je défends et il fait sa gueule de tigre. Il menace à la fois de faire des yeux rapidement par là, de stabiliser tout simplement, et en même temps d'aller chercher le A2, qui menacerait un peu ce groupe. Là, on va juste défendre. On va juste faire une forme solide. Grâce à laquelle on est quasiment vivant. On voit presque deux yeux ici. Donc gueule de tigre, très solide. Et il vient par ici, d'accord. Le bord sud est vraiment insignifiant. Il n'y aura pas beaucoup de points. Si j'essaie de développer par exemple, si j'essaie de faire ce coup, je pense pas que ce soit très bon, très pertinent, parce que je pourrais pas développer par ici et faire un coup sur la quatrième ligne alors qu'il est déjà sur la troisième, pas trop loin. Ça n'a pas l'air très ok. Donc soit je vais par là, tac, tac, tac. Il défend sa coupe, enfin, il protège sa coupe. Et je viens là. C'est un Joseki qui dit déjà de base, de toute façon, le potentiel sud, même s'il n'y avait rien ici, hein, ça est inintéressant pour les deux joueurs. Donc c'est logique en soi. Hein.
Après, il prend un bon développement. Mais je prends pas mal de points. Je suis déjà bien solide. Tac, 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 tac. Je vais là. Et en plus, on est SNT. Donc c'est intéressant. Ça prend le coin. On pourrait stabiliser cette pierre ou faire une extension ici. On pourrait également prendre une extension là. Ce qui protégerait bien notre groupe. Et lui donnera envie de, au lieu d'attaquer vraiment la pierre, de faire D17, je monte, et il sort, et on peut stabiliser de ce côté tout en ayant stabilisé ici. Plusieurs choix. Et sinon, on peut pincer, mais. J'ai beaucoup pincé ces derniers temps, et j'ai souvent reçu comme remarque, d'ailleurs même en tournoi, que les pinces. Ça se joue beaucoup moins maintenant, et moi j'aime beaucoup les pinces, hein, donc on va faire ça. On se retient, on va dire. On me dit maintenant. L'IA, elle aime beaucoup, hein. Il y a beaucoup de points. C'est vrai, hein. Il y a beaucoup de points. Ok, au lieu de prendre l'extension naturelle, il joue plus loin pour essayer de maintenir une forme de pression de santé. Je comprends. Mais en même temps, attention, parce que quand là, cette fois, si je pince, ça attaque ça, mais ça attaque ça également. Donc attention à ça. Et si je réponds naturellement, pour revenir par là et prétendre. Prendre possession de plus de territoire, même si c'est pas encore tout à fait, parce que on remarque que la règle de N plus 1 n'est pas trop respectée ici. Là, une extension, normalement c'est 2 ou 3 maintenant, max. Donc là, il est un peu loin. Tout le contraire d'ici, hein. Là, il serait un peu loin, et on pourrait toujours revenir à l'intérieur d'une manière ou d'une autre. Il y a des entrées par ici, il y aura par là. Les autres choix, c'est le kick, mais là, c'est assez déraisonnable, parce qu'après, kick, il monte, je saute. Et il saute, finalement, il a bonne extension là et là. Donc ça serait pas cool. Et sinon, il y a ça, mais souvent, on aime faire ça quand on a une pierre pâle. Il y a aussi le Tenuki, mais... je sais pas. On peut peut-être Tenuki hein, et venir là tout de suite. Stabiliser directement. Ici, cette pierre, de toute façon, c'est pas un groupe tout de suite, donc... on n'est pas en danger, on a encore plein de directions. Il y a des Joseki qu'on connaît, s'il le double approche. Donc ça peut être intéressant de venir là tout de suite en fait. On est bien dans la partie, on laisse les choix plus tard. De toute façon, on sait que ça, il aura envie de répondre par là. Là, c'est embêtant dès qu'on vient vers B15 ou même qu'on vient en D18, tac, on atari, on coupe. Plein de trucs un peu chiants pour Noir. Donc il a envie de se défendre. En général, c'est quand ça, ouais. Kozumitsuke, Kozumitsuke. Souvent on monte, mais là je me demande si j'ai pas autre chose à faire. Pas envie de prendre ce coup, non. Et ensuite, bah, il a pas envie que j'aille là. Donc il y va. Ça, c'est une séquence très classique. Quand on approche de ce côté à ce Kusumi-là. Ce Kusumi-là, pardon. Et ici, on a envie de sauter. Le année, je pense pas que ce soit très correct, parce qu'il peut faire année lui-même, je pense. Et séquence compliquée. On va juste sauter. Menacé d'aller là. Hein. Ok, il va là-bas. C'est intéressant. Je vais prendre la belle forme d'instinct, ça me plaît. S'il a envie d'empêcher ça, il y a l'angle vide, c'est pas très agréable. Et le double approche. Ok, il voulait absolument double approche. Pourquoi? La règle ici, c'est quand on attache, c'est. Je joue du côté que je n'ai pas envie d'attaquer. Donc, ouais, je vais de ce côté. Notre force est par là. J'ai plus envie de mettre la pression sur ça que sur ça. Donc, on va attacher ici. Il fait année. Je monte. Et là, bon, selon ce qu'il joue, les jeux, c'est qu'il change. Ok. Ok. Qu'est-ce que j'ai envie de faire ici? Si je fais ça, sa réponse est là, en N16. S'il vient ici, en fait, on peut avoir peur de se faire couper si on fait ça et qu'il coupe. En fait, on pourrait continuer ici, il continue, je continue. Je prends pas mal. Lui aussi, c'est vrai. Sinon, il y a les coups par là, tout de suite. Mais le coin semble gros. Voilà. Ouais, tac. Et il protège sa coupe. De manière assez. C'est vraiment surconcentré, encore une fois. Hein. Je pense qu'il pouvait aller soit plus loin, en haut ou en bas. Hein. Ici, là.
Soit pousser une fois ici, par exemple, s'il veut vraiment développer de ce côté. Là, ça semble douteux. Parce que normalement, j'ai ce genre de coup pour protéger. S'il avait joué ça. Si je fais ça, il monte et ça menace couper, donc c'est pas très pertinent. Qu'est-ce que j'ai envie de jouer ici? Je connais pas tout à fait la suite. Si je joue là, il pousse, je vais là, il pousse. On va ici. Il fait Atari. On peut aller là. Tac, et le chichot, ça donne quoi? Ça marche pas pour lui. Ok. Ça a l'air sympa. En fait, je regarde ce coup parce que souvent on dit que quand l'adversaire n'a pas joué le coup qu'on connaît, c'est peut-être pas trop bête d'aller regarder qu'est-ce que ça donne ce coup si on le joue nous-mêmes en fait. C'est vrai que là j'ai utilisé du temps pour regarder ça, mais. Tac. On commence à faire une petite. Si, si, là ça va être sympa. C'est sympathique. Le. Kema ici va devenir important. Pourquoi? Parce que. Ouh, peut-être ce coup. Ce coup a l'air sympa aussi. Je sais pas. En fait, pourquoi je pense à là? Parce que il y a un potentiel noir ici, il y a un potentiel blanc là. Donc on pourrait dire que ça, c'est un peu la frontière des moyaux. Mais il continue par là, donc s'il monte, j'ai l'air bête. On va pousser une fois. Je fais pas tant que ça ici, ça va. Faut pas oublier qu'il a 6,5 commis sur KGS, c'est ça? Non, là j'ai mis ces informations. Les règles. 6,5 commis, c'est ça. Ok, continue. Et ça donne envie de venir par là et dire regarde, est-ce que t'es vivant? C'est pas évident. Si je viens là, qu'est-ce qu'il peut faire? C'est comme ça. Je suis ici. Donc, pas ça. Il irait là. Je viens là. Il 10 coupe. Seconds. 1, 2. C'est pas si terrifiant. 3, 4. C'est pas si terrifiant, j'ai l'impression. 4, 5, 6, 7. Tac, parce qu'ici, il n'y a pas vraiment de coupe. Hein. Donc, il coupe 8, et. 9. Hmm. 10 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vois la forme peut-être quand même. Ouais, en fait, non, c'est pas fou parce que je me suis créé. Je lui ai fait une forme de merde, mais moi aussi. On a tous les deux fait angle vide au même moment là. C'est... Non, là, c'est pas très bon ce que j'ai fait. Ok. Tac, mais quand il fait ça, c'est chiant parce que quand je viens là. Il peut venir là, bon c'est un peu risqué de sa part, mais tac, il y a un double Atari, en fait il y a une forme un peu pompeuse. Il doit aller là d'abord plutôt, répond là. Et s'il vient ici, je peux pas aller là parce qu'il y a double Atari qui pointe le bout de son nez. Il pousse ici, on vient là. Blanc, noir, blanc, noir, blanc, Atari, tac, Atari, il va là, je suis mort, ok, tac, ouais, j'ai fait des bêtises, j'ai fait quelques bêtises, tac, blanc, 10 seconds. Noir, one, blanc, two, three, noir, blanc, four, noir, five, blanc, six, seven, eight, 9. Noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc capture. 10 seconds. Je vais là-bas. 1, 2, 3, 4,
6 blocs. 6, 7, 8. Peut-être éviter de perdre une autre période. Mais en vérité, je fais n'importe quoi. Je fais n'importe quoi là. Parce que si je viens là. 10 seconds. Elle est là, 1, je vais là, il va là. 2, on pousse ici. 3, 4. Ah, ça va être, on va perdre tous les deux des choses là si ça continue comme ça. Ce qui pourrait. Ça, ça va se réveiller. Tac, tac. Tac, 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 il capture. Je viens là. Ten il faut que je fasse ça d'abord. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va faire ça, et là, ça, ça se réveille. Et on va perdre ça. Est-ce que l'échange est bon? C'est... Je suis pas certain. Je ne suis pas certain. Réfléchis à ça. Il fait ça. Non, il faut que j'aille bien là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, noir, blanc, noir, blanc, noir. Tac, tac. 10 seconds. 1, 2, 3, 4, 5. Il faut mieux que je vienne de ce côté tout de suite, parce que là, il va faire une mauvaise forme. Désolé, je pars un petit peu moins qu'au début de partie. Forcément, quand je suis en BOMI. C'est intéressant, mais c'est pas facile des parties rapides comme ça. Ça faisait vraiment longtemps que j'en avais pas fait. J'ai très bien commencé, je pense. Et le Chuban, par contre, c'est désastreux. Je suis meilleur en début de partie sur celle-ci. Ok, il vient là-bas. On va laisser tel quel. Ah non, maintenant s'il vient là. Non, mais on va prendre ça. On perd quoi ici? On perd 2, 4, 6, 8, 10. Mais en plus, il se fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Alors, on fait, ça fait 22. 1, 2. Et nous, on prend quoi? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18. Ça a l'air peut-être un peu mieux pour lui quand même. Et maintenant il vient là, ce qui menace la terre ici. 10 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, c'est pas fou, hein. Parce que maintenant s'il fait pas mal de points là, est-ce que j'ai assez de points? C'est pas dit du tout. C'est pas dit du tout. Oula, qu'est-ce qu'il fait ici? Bah, il m'incite à venir là, en fait. Il aurait dû commencer par ça, je pense. Je sais pas. Parce que là, dès que je gagne ça, maintenant, s'il développe par là ses points, bah, j'ai gagné ça. S'il défend, bah, je peux venir par là. Ouais, voilà, il revient là. C'est pas fou. Bon, j'ai enfin le santé, mais ouais, pas fou. 10 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je vais venir par là. Ça menace d'écraser ici. Ok. On va venir ici. Ok. On va venir là. Solide partout, donc je vais rester ultra solide ici, je pense. Ah, ça menace de descendre, mais en même temps, tac. Tac, s'il va là, je peux aller. C'est intéressant. Si je viens là tout de suite, peut-être mieux, même. Tac. 10 seconds. S'il vient là, je vais 1, là, Atari, 2, tac. 3, 4, non, 5, pas... 6, 7, 8. Je vais le couper. S'il vient là, Atari, c'est pas bien grave. Hop. Bon, ça me fait une forme d'ego ici, hein. Tac, 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 tac. On est d'accord. Mais il est isolé. Tant pis pour la forme. Allez, fais-moi Atari.
On a écrasé ici, c'est pas mal. Il nous reste une glissade plus tard. Voire même ce genre de coup. Bien chiant. Ok, il va par là. Dans ce cas-là... Est-ce que ça marche? 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va aller par là. Faut que je fasse attention, 3 périodes, c'est assez court. Il vient ici, d'accord. En fait, il fait pas une très belle forme. Je voulais l'inciter à me retirer ma faiblesse ici. On va venir par là. Il vient ici, on vient là. Ok. Est-ce qu'on a le droit de faire ça? Ouais, ou alors on fait ça. Tac. S'il vient ici, Atari. 10 seconds. 1, 2, 3, 4, 5. Tac. S'il coupe. 6, ici. 7. Je pense que ça marche pas. Ok. On va aller par là. On a le droit. Parce qu'il menace de faire ça, donc il va jouer là. Sinon, je suis connecté, j'ai l'impression. Attends, si je viens là, est-ce que je suis sûr d'être connecté? Je sais pas. Oula, il vient direct dans... Ça, c'est très agressif. Il vient direct dans le point vital du Kosumi pour dire tu n'as pas d'œil. Aucun. Bon, je viens là. Attention, hein, t'es pas encore sorti d'affaire, toi non plus. Ok. Je viens là. Il peut pas couper. Hein. Tac. S'il coupe, Atari. Tac. 10 Atari. Seconds. 1, 2, s'il capture, on fait Atari. 3, 4, voilà. 5, ouais. 6. Pas faire, il peut pas couper. Ça ne marche pas. Bon, il y va quand même. Pour moi, ça ne marche pas. Même cet Atari là, je me demande si ça marche. Tout simplement. Peut-être pas. Peut-être pas. S'il va là, je viens ici. S'il capture, on refait Atari, il complète, on va par là. Tac, si je viens là et qu'il sort, ça a l'air d'aller aussi. Ok, bon bah on capture. T'es pas encore vivant, attention. Et là, des coupes par ici, ça peut faire des points. Bon déjà, rien que ça, ça fait... C'est pas si mal. Bref. Voilà, il va vivre avec ça. Bon, il va vivre goté parce qu'il va vouloir rajouter un coup, je pense. Ouf. Tous les jours. Et rajoute un petit coup, sinon moi je joue par là et ça, c'est embêtant. Petit coup. Ah ouais. Ça, c'est gourmand, ça vise la coupe. Mais d'abord, jouer par là, ça va aider ce groupe, du coup. Fais attention quand même. Je me demande ce que donne s'il fait année la coupe. Il fait par là, tac, tac. Ah non, mais Atari, il est obligé d'aller par là. Pardon. Tac, il vient ici, je monte. Il vient là. Je viens ici, il fait ça. Si je fais ça, non, il me capture en entier. Okay. 10 seconds. 1, okay, okay. 2, 3. On va faire double année. Atari, tac. Ouais, non, il peut pas faire grand chose. On va juste enfermer et lui dire attention, est-ce que t'es vraiment vivant? C'est une question qui. Mérite d'être posé. Bon, ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. Ten seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Qu'est-ce que je fais maintenant? Si je viens là. Qui va là? Allez ici. 10 seconds. 1, 2, 3. Non, ça marche pas très bien pour le moment. 5, 6. Ça ne marche pas très 7, bien. 8, 9. On va venir déformer ici. Je suis pas sûr de mon coup, mais j'allais perdre une autre période encore. On peut développer des choses par là, peut-être. Tac, tac, tac. Je peux faire atterrir par là. Non, c'est 10 pas grave. 10 seconds. 1, 2, 3. Je ne sais pas exactement quoi faire. 6, 7, 8, 9. On va venir par là. En fait, il y a des choses à faire ici. Je pense que ça, c'est très gros.
Mais par là, il y a des choses à développer, peut-être, sûrement. Rien que ça, c'est... Ouais, ça, c'est peut-être immense. 10 seconds. 1, 2, 3, 4. On va venir là. Ouais. Je me suis trompé de côté, je pense. Par contre, attention, il a pas envie que je grignote plus ici. Ça peut être embêtant. Il va forcer de ce côté. Très bien. Atari, tac, il sort. Qu'est-ce que ça donne concrètement? Tac, tac, Atari. Il va là. Je réponds là. Ten il va pousser une fois de plus. One, je vais là. Two, three, four, five, et capture. Six, okay. Seven, eight, nine. À protéger. Mais oui, j'ai loupé un coup ici. Bon, fais ça d'abord, du coup, lui. Et oui, là, j'aurais dû rejouer là, à la place de... Bon, déjà ça. Bon, à l'arrière, ça, pourquoi pas. Mais à la place de ces coups-là. Oh, le double angle vide, là, il est terrible. Les formes, ici... C'est pas bon. Il joue par là. Attention à pas trop en faire ici, parce que si un jour il y a un problème de forme pour blanc, le jour où je connecte, il y a 3 libertés, pas 2. Donc j'ai un coup de... J'ai un coup de possible en plus. 4, 5, 6, 7, 8. On va lui dire, regarde, je peux couvrir ça. Ok. On va enclencher ça tout de suite. On va séparer. Content de pouvoir séparer en fait. Il vient là. On fait Atari. S'il vient là, tac. En fait, il y aura un Atari, il peut pas trop choisir là. Et même s'il me fait Atari d'abord, bon, je vais d'abord faire cet Atari là, je répondrai pas ici, même s'il peut capturer 3 pierres. Mon fratari là, ça menace de refaire vivre ça et de menacer ça. Ok, on y va. Il va là. Je vais là. Et maintenant, bon. Est-ce qu'il peut vraiment couper ici? Il le fait comme ça. Est-ce que j'ai le temps de faire ce coup? 10 seconds. 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7. Je peux plutôt faire celui-là. Hein. J'ai l'impression que si j'allais là, en B14, c'est plus gros, hein, mais j'arrivais pas à tout lire ce qui se passait avec B12 de blanc. Peut-être un peu dangereux. On va faire ça. Là, on est sûr d'être connecté grâce à cette forme de Kosumi. S'il pousse là, on va là. S'il va là, on peut aller là. Il n'y a rien de spécial. 10 seconds. Bon, il y vient quand même. C'est normal 1, de tenter. Hein, 2, faut bien qu'il essaye de vivre. 4, 5, et il était toujours 6, pas en biais, Umi. 7, 8, 9. Il vient par ici. Très bien. Donc là, il me dit, 1, regarde, 2, si je sors ici, 3, maintenant il y a des problèmes. 4, donc on va aller par là. Par ici. Les pierres là ne sont pas encore 100% vivantes. 10 seconds. 1. Il menace cet Atari auquel je ne peux pas répondre. Parce que si je réponds seconds, là, il me capture one, un entier. Two. Donc on va venir par là. On ne veut pas subir ça. Il vient par ici, très bien. S'il descend, effectivement, ça menace de capturer ici, ça coupe et tout. 10 seconds. On va venir là d'abord. Percer un peu les yeux. Il connecte, je connecte. Très bien. Il peut faire un œil tous les jours. S'il vient là, je connecte, il peut faire un œil là. Donc il a un œil.
10 seconds. 1, 2. On va venir ici. S'il fait année, que je fais Atari, qu'est-ce qui se passe? Blanc, noir. Je vais faire l'Atari. Sortir les possibilités de ici. Il faut qu'il fasse attention, hein, ça. Vraiment, tout ça n'est pas vivant. On capture là. Il revient ici, d'accord. Mais si je viens là. Certes, il peut faire atterrir ici, je viens là. Il peut bloquer. 10 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9. Peut-être que maintenant j'ai envie de venir là. Non, là c'est moi qui suis trop gourmand, je pense. 10 seconds. 1, 2, 3, 4. Ouais, je suis trop gourmand. 6, 7. Faut que je fasse attention là, ici. C'est pas clair. J'ai été trop bon. 10 seconds. 1. Il rajoute un coup et je ne suis pas sûr de pouvoir en rajouter un parce qu'il faut que je. Faut que j'en rajoute un coup par là. 10 seconds. 1. On va venir là. Ten seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et on est vivant normalement avec ça. Parce que s'il perd cet œil-là... Ok. Bon. Là, on est vivant. Ok, là au moins c'est clair. Voilà, il en a marre de la G ici, je pense. C'est normal. 10 seconds. Bon, tout ce groupe-là. Ouais, il rajoute un coup, très bien. Moi-même, si je fais ça, tac, tac. 10 seconds. Bon, on va prendre One. Le plus possible. Est-ce que j'ai besoin de répondre à des coups comme ça? S'il vient là, je viens là. 10 seconds. Ouais, là, One, je capture. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On va prendre ça, c'est quand même assez gros. On n'a plus trop de problèmes ici. Oh, ici, il est vivant. Non, peut-être que cette capture était petite, peut-être que je devais aller par là. Couper ici. 10 seconds. 1. Ça, non? Qu'est-ce qui se passe si pousse tac et qui vient là? Non, c'était peut-être pas le bon coup ça. Ok. 10 seconds. 1. Ouais, je suis tellement là. 3. Où c'est qui? 4. Ah, j'ai fait des bêtises. 7. 8. 9. C'est qui? Y'a c'est qui? Terrible. Terrible, terrible. 10 seconds. Ah là là. C'est dur, hein. C'est dur, c'est dur. Il l'avait même pas vu vraiment lui, j'ai l'impression. Il vient de rajouter le coup. C'est tardivement. Ouais, la fin de partie est terrible. 10 seconds. 1. Tac. Bon, est-ce que c'est urgent? 10 seconds. 1. Peut-être envie de rajouter 2, un coup par là, j'imagine. 3, 4, faut me défendre là. 5, 6, 7, 8, 9. Il défend quand même. On va défendre, il va défendre. Non? Ok.
Ok. Ten seconds. One, two, three. On va venir prendre ça. À moins qu'il veuille absolument sauver ces deux pierres. Non, il vient là. Très bien. T'inquiète. Il va bien réduire ici. Il va bien réduire ici. Tac, tac, tac. Hop. S'il vient là, tac, tac. Il vient là, Atari, tac. Hop. On défend. On défend, on défend. Je suis pas sûr qu'il ait eu la meilleure séquence possible pour lui, là. Parce que là, c'est douloureux pour lui de revenir, ouais, défendre. C'est chiant. Très bien. Mais dans ce cas-là, on fait plus de points qu'on en a perdu, là, peut-être? Je sais pas. Sachant qu'on a ça également, peut-être que c'est bien pour nous. 10 seconds. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7. On va toucher ici, hein. S'il fait année, on peut faire ça. S'il vient là, on continue. Ça a l'air cool. Un peu brutal, mais bon. On ferme, quoi. Si je viens là, il vient ici. Je vais là, il y a double atterri. Ok. Je vais reculer comme ça, retirer un peu mes faiblesses. Et s'il monte... 10 seconds. Est-ce que... C'est... Ouais, ça reconnecte, donc c'est chiant. On va aller là. Partie est assez longue, finalement, hein, pour 10 minutes chacun. C'est assez long. 10 seconds. 1. On va venir par là. Ça menace toujours de faire ça. C'est un côté, mais bon. Ok, il vient ici. Ça, c'est. Ouais, ça va, c'est pas trop grave. Il menace rien de vital. Non. Ok. 10 seconds. On va prendre quand même ça. Hein, sinon, ça sert à rien de. Faut profiter du Tenuki qu'il a fait. Qu'il a fait. 10 seconds. Tac, tac. 10 seconds. 1, 2. Ah, sérieusement, ça marche pas. 4, oh là là. 5, 6, 7, 8. Ah là là, ça marche pas. Bien vu de sa part. Je suis aveugle. 10 bien joué, seconds. 1, 2, 3. Est-ce qu'on est devant dans cette partie réellement là? J'ai pas compté depuis un petit moment. Hein. J'ai l'impression qu'il est potentiellement devant. Ouais, c'est pas impossible. Il faut qu'il protège par là, ouais. Qu'est-ce qu'on peut 10 faire d'autre? Seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, j'ai pas le temps. Prends des petits points. On est dans le tout petit Yossé, là. Le Koyossé. Capture ça. Ouais, je vais recapturer, sinon je perds cette pierre. Grâce à ça, il était déjà sûr d'être vivant avec cet espacement, en fait. Ouais, c'est assez gros, quand même. Il fait un point... Ouais, oui, t'étais vivant, tranquille. Après, peut-être qu'il n'y a pas grand-chose d'autre, hein, c'est vrai. 10 seconds. Bon, je prends celui-là, du coup. C'est toujours pas santé. C'est fou, hein. Ouais, celui-là, il est peut-être pas santé, ouais, quand même. Il était peut-être pas santé, effectivement. Visuellement, j'ai l'impression que je suis en retard. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je ne sais pas quoi jouer.
20 secondes, c'est une sacrée pression, quoi. Merci, viens là, je capture là, de liberté. Vérifie que je sois vivant, quand même. Sinon, c'est la galère. 10 on va aller par là, ça me laisse capturer une pierre en même temps, ça corrige un peu les bugs de forme. Ok. Ten seconds. 1, 2, 3, 4, 5. On vient essayer de couper. Je vérifie ici en fait, c'est pour ça que je jouais à côté. Tac, 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 tac. Il n'y a rien, mais il faudrait jouer ça, quoi. Là, ça c'est un petit point ici, je pense. Là, tac, 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 tac. Snapback. 10 seconds. Ouais. Enfin, je... Ah, peut-être pas parce qu'il y a ça. Ah, c'est dur à dire. Non, je pense qu'il y avait rien. Mais bon, dans le doute, vaut mieux pas crever maintenant, il a raison. 10 seconds. 1, ah, c'est bête, hein. 2, 3, 4, 5, 6. Ici, là, petite réduction. Tac, 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 à la rigueur. Dans l'idéal avec ça. Ouais, dans l'idéal, là, ça d'abord, parfait. Parfait, parfait, ce qu'il fait. Tac, tac. Il répond. Sinon, c'est dommage, tout ça pour ça. Ouais, ok. Ensuite, il reste quoi? Celui-là, il peut être chiant, parce que si je capture, je peux lancer un coup débile. Ok, ça, ça peut être marrant aussi, parce que tac, tac. 10 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il n'y a rien de spécial. On va venir là, il vient ici. Très bien, dans ce cas, je viens là. Je ne peux pas aller là. Donc, il connecte. Ouais, ok. Pourquoi pas. C'est vrai que s'il connectait, je pouvais encore avancer une fois parce qu'il y avait plus de pierres là que là, je pense. Ah non, je suis sûr. Bon, il peut toujours pas aller là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, je sais pas quoi jouer, je voulais pas jouer ça, mais il répond, d'accord. En même temps, il reste pas grand chose. Pouf. Ouais, il est damé, hein. 10 seconds. 1. Un point ici. Il joue là, j'ai pas le point en T16. Très bien. Effectivement aussi, je serais obligé de capturer un jour là. Effectivement. D'ailleurs, je vais peut-être le capturer parce qu'un jour je peux peut-être aller là et je sais pas, j'arrive pas à lire. 2, 3, 4, si je trouve pas de santé. 5, 6, 7, 8. Je trouve pas de santé. Pas de jouer. Qu'est-ce qui resterait? 10 seconds. 1. Même pour lui, c'est pas évident. Il y a un jour. Est-ce qu'il devra rajouter un coup quand il y aura ces deux-là? Tac, tac. Non, j'ai pas l'impression. Il joue ici. Très bien. Tu perdais pas de points, t'avais un œil ici. 2, 3. Il n'y a pas d'atterri. 4, 5, 6, 7. Alors, c'est un damé, peut-être. Peut-être pas. Ok, attention, blanc. Okay. Il faut faire Atari. 10 seconds. Sinon, blanc, Atari, je vais là, il va là, et je perds tout. Ça serait dommage. Ah, il y a la cruste du chat. 10 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça c'est fait. Pas mal de petites choses ici qu'il faut surveiller, je sais pas. 10 seconds. 1, 2, 3. Tac, tac. Sérieusement? Si je viens là. Tac. Il vient ici. Je viens là. 10 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7. Ah, j'ai envie de penser qu'il y a des trucs. Je vais jouer ça, il va me détester, mais... tac, tac. Je vais là. Non, il n'y a rien. Et ici, si je vais là, maintenant. 10 seconds. 1, non, il n'y a rien. Il 2, a raison, il a raison. 3, 4, 5, 6, il a raison, 7. J'ai l'impression. Je vais pas prendre le risque de perdre autant. Donc c'est point à lui. Voilà. Oh bon, il est pressé. Ah ouais. Ouais, j'ai vraiment laissé la partie m'échapper. Le Seki fait perdre ici. Hein. Du coup. Ouais, c'est ça, le Seki fait perdre. Et même, il a bien. Bah, j'ai joué à peu près correct, je pense, c'est début de partie et après dramatique. Hop, 3,5, c'est close. Je dis merci pour la partie. Ouais, je suis devant une bonne partie du temps et me fait avoir sur la fin. On va regarder ça très vite fait. Tac. Je vous mets ça à droite. Ouf. C'est bon pour vous? Ouais, bon, vous avez la moitié gauche de la courbe ici, la moitié droite là. Comme vous voyez, ouais, jusqu'aux deux tiers, un peu plus, peut-être. Trois quarts pratiquement. Je suis bien. C'est dommage. À quel moment? En termes de points, ça va être... Ouais, en fait, en termes de points, je suis bien ici. Et ouais, cette séquence est douteuse, en fait. C'est ça. Cette séquence est douteuse. Parce qu'en fait, comme ici, finalement, je suis plus OK, en fait, je me demande même si, quand je fais ça, je suis vivant. J'ai un gros doute. Hein. Je suis pas sûr d'être vivant, ici. Ah si, on est en sacrifiant. Non, bah non. Là, je suis pas vivant. Donc non, un blanc, de toute façon, il joue ça, de toute manière. Mais noir, qu'est-ce qu'il fait? Si je fais ça, bah il fait ça. C'est pas vivant. Moi, ça a l'air mort, hein. J'ai fait le con, hein. Ça a l'air quand même bien mort. N'hésitez pas à me dire hein, si vous voyez une vie, ici. Moi, j'en vois pas beaucoup. Ah, c'est là où j'ai fait le con. Hein. Dommage. Et même dans la partie, bon, on va reprendre au début. Hop. Alors, je joue là, il fait ça, ok, pourquoi pas. Ici, je suis bien. Là, je suis bien. On vient ici. Ok, je pense que là, on est bien dans la partie. Et c'est là, peut-être... Peut-être ça. Peut-être un peu plus rapide s'il fait ça, qui vient là. Nanana. Non, là, ça marche pas. Ok. C'est peut-être un peu bizarre de faire ça. Tac, tac. Je sais pas. Le mur est peut-être un peu loin. C'est peut-être un peu... Bon, ce sera un moyo, quoi. Bon, alors, on regarde un petit peu, là. J'essaie de regarder un peu ce que j'aurais pu jouer. Mais ici, en fait, c'est dur d'attaquer cette pierre. Là, ça peut passer sous la deuxième ligne. Ça, c'est pas clair. C'est pas encore bien vivant. Parce que à tout moment, il y aura des trucs où il peut séparer facilement. Je parlais de l'angle vide, mais en fait, non, il fera pas ça. Hein, bien sûr. Ici, j'ai de l'autre côté. Tac, 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 tac. Peut-être aller par là. Oh non, pas ça. Tac. Non, non, c'était bien de faire ça par la droite, je pense. Je pense que c'était bien de faire par là. Seulement, quand il vient ici, il faut peut-être que je mette la pression comme ça, ou que je pince. C'est pas ça, il faudra voir avec l'IA. Elle fera mieux que moi. Peut-être protéger tout de suite, faire quand même le coup que j'aurais dû faire, parce que s'il vient là, il y a ce coup, en fait. Donc, possible que je dois faire ça tout de suite. Il y a ça aussi. Pouf, pouf. Un truc genre. Ça existe. Ok. On fait la séquence un peu bizarre où finalement je suis pas solide. Ça c'est trop tôt du coup. Si je veux vraiment continuer, tant pis. Ça c'est bizarre en fait. C'est... Ah non, finalement je mets mes points. Ouais, mais TF1 on sent pas... On n'aime pas le hanner à la tête de pierre. À 3 pierres non plus. Mais 4, des fois ça peut être dangereux. Notamment ici. Hein. Ça c'est pas encore stable. Ça c'est pas stable. Là il y a des points de coupe. Solide. Ici, je dois jouer ça. Je pense tous les jours, je dois jouer ça. Dans le genre, hein, bien sûr, quelque chose par là, quoi. Mais j'imagine ça, c'est... Ça donne le meilleur coup.
Et là, blanc, il va peut-être pas jouer ailleurs, parce que, effectivement, maintenant, quand je viens là, ça se calcule. Il doit aller chercher la vie, mais c'est pas agréable, parce que ici, si je gagne cette descente pour, dans sa vie, je gagne ça un jour, donc ça le fait chier. Ça l'embête. Donc ouais, ici, il force dans l'effort, mais ouais, ça m'embête partout, en fait. Donc non, c'est dégueulasse, je pense. C'est pas du tout ce qu'il faut faire. Et là, ouais, il faut que j'y joue ailleurs, blanc. Hein. Bien sûr, c'est normal. Il me donne S16 gratuit. Ici, on est assez content. On est toujours bien hein, dans la partie, hein, je pense. On est toujours bien. Et là, noir... Non, c'est blanc, ouais, il faut qu'il vienne écraser. Hein. Faut se battre. Parce que là, noir, il s'en sort un peu trop facilement. Et il pousse vers son groupe faible, donc je suis content. Je disais, s'il va là, il va ici, s'il capture, Atari, et on prend tout. Et s'il va par là, bah on peut revenir là. S'il va ici, on prend. S'il fait ça, tac, tac, tac. Ça n'a pas l'air de marcher pour lui. Il n'y a pas de guetta, on capture. Donc, compliqué. Comme ça marche pas. Il n'y a rien qui marche spécialement. Donc ouais, on peut aller là. Je me demande si on peut même pas sortir. Mais c'est peut-être un peu gourmand, il faut lire pas mal, à part le nom de liberté. Bon, moi je capture. Il vient là, ça c'est douloureux quand même. Et là, je sais pas si je devais venir là. Pour continuer à dire t'es faible. C'est vrai que ça c'est un peu gentil. Je pense à mes formes. Mais dans ce cas-là, il fallait faire mes points ici. Je ne l'ai pas fait. Là, je laisse vivre et après, je prends pas les points. Donc, c'est un peu problématique. Ouais, je me demande si, avec ça, bien sûr, là, il pouvait faire un coup comme ça, par exemple. Mais ensuite, quand il essaie de partir, ben. On est faibles tous les deux. Il n'est pas vivant. Hein. C'est compliqué, quoi. Peut-être que c'est plus intéressant pour moi de faire ça. Là, c'est un peu trop gentil. Et ici, ouais, ça marche pas. Et puis c'est à ça, mais... Hein? Non. C'est pas loin, en fait, mais je regardais ça, mais s'il fait ça, non, il y a rien. Ça ne marche pas. Est-ce que ça peut marcher? Capture, je viens là. Ouais, il est déjà vivant. S'il fait ça. Et si Tenuki, c'est peut-être un peu risqué... Non, il est vivant aussi. Ok. Donc il pouvait Tenuki même, ça. Donc non, c'est pas une bonne solution, il faut bien faire ça, approuver. Il vient là. En fait, il est toujours vivant, parce qu'il faut que je connecte, mais si je connecte, ça fait la forme en 4. Non, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien. Ouf, ouf, ouf. Et si... Bon, mon coup, pourquoi pas, mais ensuite, il faut venir, venir par là. Hein. S'il fait ça, tac, ça marche peut-être. S'il vient de ce côté, qui vient là. Non. Ça, c'est embêtant. Et non, j'ai rien dit. Si je fais ça, il doit être capturé d'abord. Je peux aller là. Donc ça marche pas mal. Ça marche pas mal. S'il vient là, tac, tac. Et ensuite, il viendrait là. Et il faut connecter. S'il pousse une fois, je peux faire Atari. Capture ou connect. Et on peut revenir. Et il a l'air mort un peu partout. S'il connecte, pousser ici, il va là et. Bon, on peut aller là. Encore une fois, on fait des points, il faut qu'il vienne réduire, quoi. Donc, ouais, à la place de faire mon coup vers. C'était S13 que j'ai fait. Fallait peut-être fermer ça. Justifier, ok, t'es vivant, mais mon attaque a fait une force en face d'une autre force. Faut rajouter ça et je fais des points. Et c'est les points qui m'ont manqué, parce que ici, j'en ai aucun. Concrètement, aucun. C'est même lui qui a fait un point ici. Donc bon. Ok, et il obtient ce gros coup aussi. Un jour ou l'autre, j'aurais dû jouer. Même là, ça, c'est immense. Hein. Ça questionne sur sa vie. Donc bon. Ouais, et là, c'est le début des emmerdes. En fait, là, j'ai une grignote, et j'ai l'impression que c'est pas très bon. Bon. Voilà. Je sais pas s'il y a d'autres choses pour vraiment dans la partie. Si, j'ai loupé aussi le timing. Bah, ça.
pense qu'il faut taper dessus en fait. S'il va là, on vient ici. S'il vient là, on peut aller là. Donc ça a l'air d'aller. Et s'il vient là, bah Atari. Hein. S'il vient là, on capture. Il peut pas aller là. De toute façon, c'est la forme en 4, on serait content. Et même, on peut aller là. Tout simplement. Pourquoi c'est vivant en fait avec ça? S'il fait ça, ouf. Qu'est-ce qu'il fait? S'il vient là. On fait ça, non? Posez toi. Hop là. Un peu partout. Ah là là. Tac. Et là, il peut plus rien faire. On a assez de liberté, en fait. Donc ouais, c'est vivant en tapant dessus, j'ai l'impression. J'ai l'impression, tout simplement. Et là, c'est peut-être les quelques points aussi qui me manquent. Dommage. À la place de se chausser, si j'avais eu le temps, pris le soin de calculer ou eu le temps, tout simplement. Ça, c'est beaucoup plus gros. Parce qu'en fait, avec ça, quand il joue plus tard, après, quand il joue ici plus tard, il y a ça. S'il fait ça, ça c'est chiant, hein, bien sûr. Ça commence à poser des questions sérieuses sur sa vie, sur son espace vital, tout simplement. Et s'il descend, bah non. Parce que ça, s'il vient là, bah... Faut pas l'en couper, en fait. Il est coupé. Donc ouais, ici, là, j'ai loupé quelque chose aussi. Hein. Sa base de vie, là, après qu'il n'ait pas répondu ici. Tac, tac, et là, il jouerait là, hein, ou je sais pas, ou là. Mais du coup, j'ai tous les points ici, et j'ai quand même le santé, donc c'est immense, en fait. Et après, si je veux faire mon coup là, malgré l'erreur, pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que là, ouais, ça change encore la donne. Et... En fait, c'est plein de petits grignotages comme ça. C'est le BEMI qui est fatal aussi, je pense. Mais bon. Allez, on va sauvegarder la partie... Et on revient tout de suite sur Catherine. Alors, la partie commence. Comme ça, comme ça, comme ça. Ok. Il vient ici. Voilà, ici, comme on disait, on pouvait prendre le Shimari, approcher, Sansan, classique. On vient là, il répond. On vient en Sansan direct. Ok. Pas de problème, là, il n'y a pas trop d'erreurs. On vient là, il vient ici. Plein de coups possibles. On a choisi celui-là. Il y a plein de stratégies. Hein. Franchement, au début, on peut faire un peu ce qu'on veut. On vient là. Ça, c'est une petite erreur, quand même. On pousse. Il vient là. Ok. Il vient là. Et là, il faut que je... Ok, petite erreur. Je pensais que la forme, c'était bien. Faut jouer plus large. C'est bien. En fait, qu'est-ce qui se passe s'il vient là, direct? Hop. Je passe au-dessous, hein, j'imagine. Faut pas couper, vraiment. Sinon, il y a... Qu'est-ce qui se passe ici? Ça, ça... Non, bah non. Elle est là, forcément. C'est embêtant. On peut être coupé direct. Je trouve que c'est pas agréable. Ça, c'est compliqué. Je pense que ça, c'est, bon, c'est pas une grosse erreur, hein, moins 1, pas 3, mais... On vient ici. Ouais, directement, il faut dire, bon, est-ce que tu vas avoir l'espace vital suffisant? Parce que même en plus, bah déjà, rien que pour poser la question, et en plus, ça évite de se manger le coup que j'ai fait dans la partie, qui est quand même assez désagréable. Mais il vient ici, d'accord, je prends le coin. Oh, on peut faire ça tout de suite, hein. Prends le coin. Ouf, ouf, ouais, ça a l'air urgent. Il vient ici. Et je viens là. Ok. Bon, il fallait faire avant, mais la bonne intuition de venir là maintenant, de ne pas répondre en haut. Il pousse, je réponds, il pousse, je réponds, il pousse. Mais là, il faut aller ailleurs, tant pis, ces deux pierres, elles sont solides. Et même s'il les attaque, imaginons comme ça, il y a encore plein de trucs. Je suis vraiment solide. Je risque pas grand chose ici, je peux partir tranquille, je pense. Ça, elle est là, il y a plein de solutions. Ok. Dans la partie, on va là. Et la première grosse erreur de la partie, c'est la descente ici qui semble un peu, ouais, un peu lente. Autre grosse erreur à partir de rouge, comme on dit d'abord. Donc il vient là, tac. Il vient ici. Effectivement, justement au contraire, il faut aller de ce côté, d'accord. Très bien. Tac, 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 tac. Ok. Donc le raisonnement, c'est détruire les points ici, et de toute manière, là, on ne pourra pas construire trop facilement, parce qu'il a rajouté son coup en D18, donc il peut détruire les points par au-dessous.
Il peut rentrer, il peut détruire partout, voilà, un coup par là, ça menace de passer au-dessous et de sortir, et en même temps de s'installer. Donc très très compliqué de développer ici, sachant que ça, c'est pas encore, c'est encore vulnérable. Donc ouais, l'erreur, c'est... non, justement, on veut attaquer ça, cette position. Ok. Pouf, 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 pouf. Il vient là, et là, je savais pas comment répondre. Donc là, c'est ma première grosse erreur de la partie. Lui c'est ça, moi c'est ça. Il faut pincer plutôt. Ok. Carrément mettre de la pression sur cette pierre. Tac, il vient là. Je pense que là il faut nobler une faute plus. Ah non, c'est bien ça. Ok. C'est après que j'ai mal répondu du coup. Quand il vient là. Ouais, il faut connecter direct. Même si c'est moche, au moins c'est fait. Il pousse, il pousse. Je fais la forme. Ça semble logique. Je protège. Ouais, ici, il faut qu'il vienne là tout de suite. Ça attaque vraiment ma forme, c'est pas agréable. Je protège, je recule, il vient là, je pousse, il vient là. Il faut venir direct, ok. Bon, c'est pas une grosse erreur d'aller là d'abord. Maintenant, il faut faire l'échange. Tac, il faut couper de ce côté, il vient là, je prends la pierre, il vient là. Et oui, j'ai pas besoin de capturer, c'est vrai. Parce que si je joue ailleurs et qu'il capture, moi je peux encore prendre les pierres. Donc là, oui, oui, je perds le santé, c'est dommage. C'est dommage. Et je peux jouer le coup par ici. Moi j'aimais bien un coup comme ça. Bon, c'est pas une grosse erreur. C'est de là qu'il préfère ou l'invasion directe, ça c'est classique. Ok. C'est vrai. J'ai le réflexe de capturer direct alors que non, non, ce qui nous intéresse c'est ça. Là c'est qu'une pierre en soi. Donc on vient protéger, il vient là, je descends, il vient par là, et il faut approcher, effectivement. Il vient par là, moi je viens par là. Ah, il faut aller là, il faut séparer. Séparer durement, ok. Poser des questions sur les vies des deux côtés. Ok, trop orthodoxe. On coupe comme une brute, mais ça marche pas très bien. Il faut d'abord sortir et menacer de couper quoi un jour, j'imagine. Il se passe quoi en haut ici? Pas grand chose quand même. Pas un bon coup pour ça, ce que ça soit vraiment santé plus tard. Ok, intéressant. Tac, tac, tac. Donc je coupe comme une brute, c'est pas très bon. Tac, tac. Ouais, a priori, il pouvait faire beaucoup mieux. Là, mes échanges sont vraiment pas bons. Parce qu'il peut me tuer, c'est ça. Et là, même si je sors, je peux pas m'en sortir. Parce qu'il pourra partir facilement. Sûrement. Et en fait, il peut se partir des deux côtés. Et moi, j'ai que 4 libertés et c'est compliqué. Et du coup, il est en avance de 15. Ouais, ok. Je vois. Je vois, je vois. Donc là, j'ai vraiment trop insisté. C'est pas bon. Mais il en a pas profité. Pousse pas du bon côté. Il faut atterrir ici. Très bien. Ah, ça marchait de... d'ailleurs. En tout cas, non, ça va, c'est pas trop grave de faire ça. Il pousse là. Il peut pousser ici, tac, tac, tac. Et ensuite, quoi? Il vient là. Ouais, c'est pour gagner des coups forçants de ce côté. Sacrifier en gros. Ok. Mais la partie revient quand même un peu dans mes mains. Mais c'est à cause du fait qu'il est pas bien géré de ce côté, je pense. Ok, et qu'est-ce qu'on voulait vérifier d'autre? Ici, là, le coup à rajouter. D'ailleurs, ici, il faut qu'il joue son coup de forme, et lui, quand il vient là, il faut que je vienne là pour attaquer, comme on disait hein, tout à l'heure. Effectivement, c'est plus urgent de continuer à mettre la pression que... Allez, vas-y, vie. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage, c'est trop facile, là, en fait, pour lui. Et effectivement, il faut rajouter ce coup, comme on disait. Ça semble naturel, en fait. L'investissement, faut le faire jouer, quoi. Ça fait tout ça en point quasiment. C'est utile. Il faut y revenir, mais non, on vient là. On continue. C'est des petites erreurs, hein, mais c'est bête. Il force là. On va pas tout regarder, hein. La vidéo est déjà assez longue comme ça. On va regarder les prochaines grosses erreurs. Bon, ça, c'est une grosse erreur. Hein. Il faut vraiment attaquer. Après, oui, c'est pas suffisant pour lui de faire ça. 4 libertés compte.
J'ai 4, il a 4. Je meurs, non? Ah non, j'ai une de plus. Ouais. Grâce au coup en 13 que vous voyez là, il ne peut pas prendre le temps de retirer une de mes... Ah non, mais non, j'ai que 3 libertés. Bah alors. Ah! Ça pose deux problèmes. Ça menace capturer les 3 pierres, mais en même temps, ça menace d'aller en haut. C'est intéressant, ça. On pourra attaquer durement les pierres blanches en haut, voilà, les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Ouais, c'est super dur à voir. Hein. C'est super dur à voir. On va regarder... Voilà, il va y avoir... C'est du combat, donc en fait, un coup sur 5, il va y avoir une grosse erreur. Je veux regarder quoi? Je veux regarder le... C'est qui en bas à droite? Ouais, ça fait déjà assez de données, là, pour le moment. Ouais, il vient là. Oh, ok, connecté en brut. À peu près tout marche normalement hein, quand je fais ça, tac. Et là il faut bloquer, ok. Et quand il vient ici, je vais là. Pour lui, c'est pas si intéressant que ça pour lui de faire le Seki. Intéressant. Et moi, il faut que je dise. Ok, ça c'est pour mettre la pression, pour dire regarde, tu as un œil. On ne sait pas ce qui va se passer ici, mais t'es pas encore vivant. Mais en même temps, c'est gratuit de faire. C'est gratuit à faire parce qu'il a pas envie de perdre tout ça. Ici, il a pas envie que je capture et qu'il y ait vraiment aucun œil. Ok. Et ouais, là, comme on disait, ce coup-là est mauvais. Il y a des coups plus importants. Soit directement là, hein, comme on disait, s'il fait ça, tac, tac, et qu'il joue ailleurs, il y a ça. Mais on peut y venir directement. Et venir connaître. Et on n'est pas certain sur la base de vie. Ok. On est encore devant ici, hein, c'est dommage. Et là, on accumule les petites erreurs, les petites erreurs. Et ça notamment. On perd le Yosente. Et du coup, il prend des gros coups. Et là, avec cette séquence, ouais, on passe derrière, j'imagine. Pas encore. Quand est-ce qu'on passe derrière? Ici, là, il repasse devant. Ouais, en fait, on fait des petites erreurs. 1, 1, 5. Mais on en a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup dans la partie. Beaucoup plus que lui, j'ai l'impression. Donc finalement, ça lui suffit. Voilà, c'est fini. Bon, j'espère que la partie vous aura plu. 3,5. Bon, c'est une partie serrée en soi, mais ouais, je prends un avantage assez conséquent, j'ai l'impression, de la partie. Hein. Je suis bien. Et petit à petit, je dégringole. Et... Bon, il y a aussi le biomi, mais c'est pas que ça. C'est, je fais beaucoup de petites erreurs de lecture, notamment ici. Je prends pas le bon santé. C'est dommage. C'est dommage. Et ici, ouais... C'est une erreur de direction, en fait. J'attaque, mais je profite pas de cette attaque. C'est dommage. Ok, voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. On se retrouve jeudi pour une autre partie, je pense. Ou peut-être, comme ce soir, je revois mes parties de tournoi avec... Ouais, non, on est mardi. Donc hier soir, j'ai revu mes parties de tournoi en stream du tournoi de Brest. Donc peut-être que jeudi, ça sera la rediff de ça. Ça dépend. Ça dépend comment c'est structuré. Donc voilà. Sur ce, je vous dis bonne semaine à tous et à la prochaine. Salut !